Je crois qu'on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc bonjour les amis. Donc pour cette vidéo en direct, et donc je suis Sylvain Gillier. Je voudrais vous parler de notre projet, le projet de l'association Cheval Communication, qui démarre maintenant dans moins d'un mois. Donc projet de partir sur la piste des chevaux sauvages, de rencontrer les chevaux sauvages aux États-Unis, dans leur milieu naturel, dans le sud-ouest des États-Unis, entre autres dans les terres traditionnelles des Apaches et des Amérindiens Navajo, donc en Arizona, au Nouveau-Mexique. Voilà, donc départ prévu avec un petit groupe de membres de l'association dans moins d'un mois. Pour les États-Unis, mais aussi donc pour les terres ancestrales des Navajos. Et donc toutes les informations sur le site de l'association qui s'appelle Native Horses, donc une association pour se reconnecter à soi, pour rencontrer la nature sauvage et les chevaux dans leur milieu naturel, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous enseigner. Et échanger avec les traditions du monde et spécialement les traditions qui ont conservé vivante une relation avec le cheval et le cheval en liberté. Et donc notre site, le site associatif pour échanger, découvrir, également agir pour protéger les chevaux sauvages, pour mieux les connaître, pour témoigner, pour transmettre beaucoup de témoignages, de vidéos. Beaucoup de ressources sur ce site internet avec des reportages, avec des actions. Donc également un onglet vidéo sur la piste des chevaux sauvages où vous pourrez suivre nos pérégrinations de jour en jour en direct sur la chaîne YouTube et également sur cette page du site internet où donc nous allons être en direct avec plusieurs de nos partenaires. Y compris nos partenaires de la famille Benali. Également, donc je voulais vous montrer la page Facebook. Vous pouvez nous contacter, rester en contact avec nous sur la page Facebook qui s'appelle Native Horses, donc sur la piste des chevaux sauvages. Plein d'éléments super intéressants, comme cette personne qui fait de l'archéologie, qui essaye de démontrer qu'il y avait déjà des chevaux et des chevaux sauvages aux États-Unis. Bien avant que Christophe Colomb, soi-disant, les apporte sur le continent nord-américain, il y avait déjà des chevaux, au moins depuis 1000 ans et peut-être beaucoup plus encore. Voilà. Alors, donc, je voulais également, pour présenter nos projets, vous présenter une vidéo, une interview que j'ai réalisé il y a maintenant déjà 4 ou 5 ans, quand on a commencé ces projets avec l'association Cheval Communication. Donc, interview avec notre ami Clayson Benali, qui est un homme de cheval de la tradition Navajo, et je lui laisse la It's a cinching parole. date. I use Sinasha out of Kanthana Eshehoan. Currently live in the Flagstaff area and Shema'i Be'ethachi. My mother is Russian Polish out of Shije'i Dene. My father is Navajo Dene and I come from the Bitterwater clan. I'm very honored to be able to speak a little bit about the horse. A lot of the knowledge that I've learned from my father and from other elders and the people within my community are about when you learn to connect with the horse, not just horses, with sheep, with livestock, with everything around you, you plant a cornfield, you learn how to connect and be a whole person. The responsibility that we have to nurture and nourish our everything within our surrounding is inherent within our philosophy as Hajonje. They teach you from the time when you're a child, you know, you wake up in the morning, you pray, you know, even from the point of birth. Yad'e Clayson Benali Dasha Jeneh. Hello, bonjour, Voilà, my donc name. On se retrouve tout bientôt pour ces projets. Et donc, pour des interviews, pour des témoignages en direct, je vous rappelle l'adresse du site internet, elle est affichée ici, nativehorseproject.com.
Et donc également toutes les infos sur la page Facebook, j'essaye de l'afficher. Voilà, donc c'est Native Horse Spirit. Voilà. Et donc, à nouveau, pour nous retrouver sur la page Facebook Native Horse ou en direct sur la piste des chevaux sauvages avec nous dans maintenant moins d'un mois, des rendez-vous en direct, des interviews en direct sur place au Nouveau-Mexique en Arizona. Avec plaisir les amis, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.